Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Environnement Vert Plus, avec une coalition avec d'autres organismes, avait fait une demande auprès du ministère des Forêts. C'est quoi exactement que vous demandiez? On demande que les coupes en altitude cessent, peu importe le prétexte, qui arrêtent en particulier les plans, ils appellent ça des plans d'aménagement spéciaux pour la tordeuse du bourgeon de l'épinette, là, qui arrêtent de faire ça quand c'est en altitude, particulièrement dans l'habitat de la griffe de Bicknell. En haute altitude, c'est à partir de combien de mètres? On parle de 600-650 mètres d'altitude et plus. Là. À cette hauteur-là, la forêt a beaucoup, beaucoup de mal à se régénérer. Puis quand on enlève tout le couvert mature, bien, on enlève la protection de la régénération. Fait qu'après ça, les gros vents passent, les tempêtes, ils ramassent les petites repousses et c'est super difficile là, pour la régénération. Alors que si on laisse les vieux arbres morts, dégénérés, ben ils offrent quand même un couvert à régénération. Puis ça fait en sorte que ben, la griffe de Bicknell continue à nicher. C'est une espèce qui est menacée, la griffe de Bicknell. Mm-hmm. Puis elle niche pratiquement juste dans les vieilles sapinières en altitude. C'est ça son habitat. Okay. Fait que chaque fois qu'on élimine une, même s'il y a la tordeuse dedans, on élimine une partie de son habitat, là. Puis est-ce que les caribous y habitent près aussi de ces coupes-là? Bien, les coupes en altitude qu'on dénonce dans la réserve faunique de Matane, c'est à proximité du parc de la Gaspésie, c'est proche du mont Logan, pas assez proche pour que le caribou se rende parce que le cheptel a beaucoup diminué, même si par les années passées, il y avait des caribous qui pouvaient se rendre jusque-là. Là, en tout cas, il n'y a pas d'observation récente là, dans ce coin-là. Mais, tu sais, si on rétablissait la connectivité de l'habitat, si le troupeau grossissait, bien, éventuellement, ce serait de l'habitat potentiel à caribou. Là. Puis avez-vous le recensement hein, de 2023 pour les caribous? Oh, on a fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Ils nous ont dit qu'ils allaient sortir ça dans les 6 prochains mois. OK. Ça veut dire que là, il en reste 3 ou 4, là. Puis, depuis que vous avez fait votre demande auprès du ministère des Forêts, avez-vous des nouvelles? Non. Non? Non, ils ne nous répondent pas beaucoup, le ministère. À part quand on a, quand ils ont l'impression qu'on est dans l'erreur, là, ils répondent à propos du factuel de ce qu'on sort. Mais sinon ils n'ont rien dit sur celle-là. À suivre. Merci. Ça fait plaisir.